Et salut les amis, comment allez-vous? Ici Truck Driver 86 et je suis heureux de vous retrouver. Putain, à chaque fois je me plante au début de ma phrase. Pour une nouvelle vidéo donc sur le mode carrière dure de WRC 8. Je rappelle, on va aller voir déjà en premier le classement. Nous sommes actuellement 5e du général avec 50 points. On va avoir du mal à remonter puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul rallye au Pays de Galles avant de passer à la saison suivante. On a eu du mal lors du dernier rallye en Finlande. Ouais, c'était en Finlande si je dis pas de bêtises. C'était assez compliqué. Est-ce que lors de la prochaine saison, on va pouvoir passer soit chez Citroën, soit chez Skoda? On a plus de 50 chez les deux. WRC2, on n'a pas eu d'offre d'essai constructeur. Donc je sais pas si on va sauter une catégorie ou pas. Je sais pas comment ça se passe exactement. Je rappelle les différents objectifs, on ne doit pas dépasser plus de 35 minutes sur des réparations au prochain rallye. Alors ça, c'est très compliqué pour nous. À chaque fois, on est à la limite des 45 minutes. Et ne pas utiliser de pneus durs durant deux rallyes. Voilà, on n'a pas de message. La gestion d'équipe, bon, on est toutes à 100%. On peut le voir en bas à droite, hein. Toutes nos icônes sont pleines. Le mécanicien, le kiné, le météorologue, tout ça. Donc, on va pas les voir. La R&D, nous n'avions pas de point de R&D. Donc, le calendrier pour aujourd'hui, on a un condition extrême au Chili. Ça, c'est toujours des épreuves un peu compliquées. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était au tout début. On avait fait 3 ou 4 essais, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Là, c'est au Chili. Et ensuite, on aura le rallye du pays de Galles. J'espère que ça va mieux se passer qu'en Finlande parce que c'est vrai que les deux derniers rallyes Sardaigne et Finlande c'était très 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 compliqué pour nous. On a été à l'aise pour l'instant que sur le Tour de Corse hein, depuis le début. Donc là on arrive à notre 5e rallye, donc la condition extrême. Eh bien écoutez les amis, on est parti. Alors tempête 100% de nuit en plus. Donc alors normalement ces épreuves là c'est ouais, c'est à chaque fois il y a la tempête, c'est de nuit et la voiture est dans un état déplorable normalement. Alors, on espère que ça va bien se passer. Ça serait bien d'y réussir du premier coup, de ne pas avoir à recommencer, parce que ça rallonge vite fait la durée de la vidéo. Et il faut battre le chrono qui est donné. Donc 1 minute 41 pour arriver à la fin. Allez, on est parti. En plus, Chili, on connaît pas. Oula, la voiture a un problème, hein, ça se voit. Allez, on va se concentrer. Ah oh ouais, la voiture a du mal. Oh putain, ouais, freine pas la voiture, freine pas en fait. Oh là là, vas-y, reviens vite. Ça va être compliqué les amis, ça risque d'être compliqué. Oh, on est revenu juste à temps sur la piste. Ah ouais, la voiture qui freine pas. Ah ouais, c'est les freins qui sont allumés en rouge, d'accord. Je me demandais pourquoi elle freinait pas, mais d'accord, c'est les freins qui sont allumés en rouge. Elle n'a pas de frein cette voiture. Je tâtonne, je tâtonne. Il nous reste déjà 46 secondes, on n'a même pas fait la moitié. Gauche 2, gauche 2, gauche 2. Oh, attention, c'est chaud. Bon, on est sorti de la route, je pense pas qu'on y arrive du premier coup. Dans ciel étroit, 200 mètres bosselés. Droite 6, vers mon 5, cours, frein, dans gauche 3, tenir. Dans droite à fond, ferme, frein. Oh là 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 là. Il nous reste 10 secondes, les amis. Dans gauche 5, cours. Ça va être tendu, 5 secondes. 5 secondes, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Et non, on n'y arrive pas. On va être obligé de recommencer. On serait pas sorti de la route, ça aurait été bon, je pense. Oh merde, j'ai mis continuer, putain. Ah, je crois que c'est mort, les amis. Là, je crois que l'épreuve est morte. Ouais, j'ai mis continuer, j'ai oublié de mettre recommencer. Ah zut. Donc, on n'aura pas de réputation constructeur, on n'a pas gagné de sous. En plus, il y avait des frais d'inscription, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois qu'on a dépensé de l'argent pour rien, là. Ah, j'ai mis l'habitude de mettre continuer et j'ai pas mis recommencer. Ah zut, ça m'ennuie. Bon ben c'est pas grave, hein, ça. On fera gaffe la prochaine fois. Hein, des événements conditions extrêmes, ils sont assez compliqués. Et on serait pas sorti là de la route, je pense que ça aurait pu le faire du premier coup. Et ouais, c'était vraiment les freins là qui étaient morts. Ça freinait pas du tout la voiture. Attendez, on va aller voir.
Ouais, le prix d'entrée était de 1700. On pouvait gagner jusqu'à 5000 et on a quand même utilisé 24% de la forme de notre équipe. Bon, c'est pas grave. Là, donc on va aller au Pays de Galles pour un prix d'inscription de 8000. Ça coûte 63% de forme pour nos gens et notre équipe et on peut rapporter jusqu'à 23 000 dollars et 1500 XP. Ok, bon bah écoutez, on est parti les amis, on perd pas de temps. Ouais, bah dommage, je voulais recommencer au moins une fois l'épreuve, mais j'ai cliqué sur continuer sans trop réfléchir comme d'habitude. On va essayer de se concentrer pour ce Pays de Galles, pour essayer encore d'améliorer par rapport à la Finlande hein, et la Sardaigne. Alors, 2 x 100% terre, il nous a mis de la terre tendre et je crois que c'est des terres dures qu'il ne faut pas qu'on utilise. Voilà, il ne faut pas utiliser de pneus durs. Donc ça tombe bien, on a des terres tendres. On a 2 x 6 km à faire. Eh bien écoutez les amis, c'est parti pour la première. Atteignez la plus haute place possible au classement. Donc ouais, bah, jusqu'à maintenant, on se contente de ça parce qu'on n'arrive pas à faire très haut. À part la Corse où on a gagné, si je dis pas de bêtises. Mes souvenirs sont pas très bons, mais bon, il me semble qu'on avait gagné en Corse. À voir. Il va falloir que j'essaye aussi de changer de micro, parce que ça fait un moment que je vous fais des vidéos avec ce micro-là qui est très pourri, hein, il faut le dire. Allez, on va essayer de se concentrer là. Putain, il faudrait vraiment pas que je parle. À chaque fois, je dis je vais pas parler pendant toute la spéciale, et au bout d'un moment, je parle quand même. 20 mètres gauche à fond, Milo. Et c'est surtout les têtes à queue qui me font chier à chaque fois. Et saut sur ciel. Alors, on commence direct par un saut. Pour droite à fond, ferme en deux, long, 50 mètres sur oh ciel. Putain. Oh putain. Gauche 5 et reste au milieu, 50 mètres sur ciel. Droite 5, en bosse. Dans gauche 6, frein, ferme en 3. Oh là là, faut pas rouler trop près du bord là, parce que si on tombe, ça va faire mal. Oh putain, j'ai commencé à mordre à droite. Moi, oh, c'était chaud. Droite premier 4, secteur en rouge. Dans gauche à fond à travers portail, 30 mètres. Travers attention, portail, j'aime pas trop. Ciel, dans droite 3. Et gauche 4, court. Oh, c'était juste. Dans droite 3, ferme. Et gauche à fond, ferme. Il se met à pleuvoir pendant la spéciale. Et droite 4, surtout pas quand, 30 mètres. Surtout pas corde, il a dit. Ah oui, d'accord, il y a des troncs d'arbres. Pour droite 1, pas corde, 40 mètres. Droite 4, 150 mètres. Gauche 4, ouvre à travers portail sur tarmac. Et gauche 3, 30 mètres, bosselé. Et droite à fond, bosselé, ferme en 4, 50 mètres. Attention, gauche 5 freins, dans droite 4 cours à travers portail sur gravier. Droite à fond, dans gauche à fond, 50 mètres. Danger. Et gauche à fond, ferme en 2, glissant. Dans droite à fond et droite 1 cours. Non, mais non, allez, première pénalité. Oh là là. Et gauche 2, pas corde. Déjà qu'on avait que des secteurs en rouge. Cuvette dans gauche 4, ferme. Oh là là. Et droite à fond, frein pour équerre droite, pas corde sur tarmac. Et droite 3, court, dans gauche 4, court, dans droite 4. Oh, c'était juste. Et gauche 5, petite corde, frein pour équerre droite, pas corde sur gravier. Dans droite 2, court, dans gauche 3, sur ciel. Dans droite 4 et gauche 4 long, tenir. Dans droite 4, court au croisement. Et gauche 5, court sur ciel, dans droite à fond. Dans gauche 3 sur ciel, dans droite 5, tenir, ferme en 4, 50 mètres. Gauche 5 dans enfilade. Dans droite 2, mi-long, pas corde, ferme à travers flaque. Oh la flaque là. Oula, on fait quoi dans les champs là? Il y a un parcours dans le champ. Et saut, dans droite 3, dans gauche 3. Et
C'est long ici, là. Et droite à fond, à travers portail, ferme. Et gauche 4 long, sur bosse. Et ciel, dans droite 3, ferme. J'aime pas trop rouler le long des falaises. Ciel, dans gauche 3, dans bosse. Droite à fond, et frein pour gauche 3, sur ciel. Que des secteurs rouges, les amis, que des secteurs rouges, on est encore mal. Putain, j'ai l'impression d'être mieux qu'en Finlande, là. À part la pénalité, bien sûr. Reste au milieu, saut sur ciel, 40 mètres, bosselé. Droite 3, sur bosse, 40 mètres, bosselé. Dans gauche 4, ferme en 3. Dans droite 4, dans bosse. Et gauche 3, court, glissant. Et gauche 4, sur ciel, tenir, sur droite 5, court, 30 mètres. Droite 4 sur ciel, ouvre. Et bosse dans gauche 4, tenir sur arrivée. C'est assez stylé ici, là. La boue dans la pluie et tout. Oh, je parlais pas fort parce que j'étais en train de... Oh là là, 9e avec 9 secondes de pénalité. Si on avait que 9 secondes en plus sans la pénalité, on serait arrivé... 4e. 5e ou 4e, et là on se retrouve 9e grâce à cette pénalité, c'est magnifique. Allez, on continue. On est très très mauvais. Qu'est-ce qu'on est mauvais? C'est les pénalités à chaque fois qui nous mettent dedans, et puis la conduite. Mais là j'ai l'impression d'avoir quand même mieux piloté qu'en Finlande. Je sais pas, vous me direz, mais l'épreuve a été créée en 1932. 367 équipages étaient alors inscrits au départ du Royal Automobile Club Rally. Ok, donc 100% terre. Tout à l'heure aussi, il y avait écrit 100% terre, mais on a eu un tout petit 5% de bitume qui nous a dit sur tarmac à un moment. Allez, on est parti du soleil. C'est vrai que mon météorologue, il prévoit que sur un tiers de la course, c'est pour ça qu'on a les points d'interrogation. 150 mètres. La carrosserie abîmée. Ah mais oui, j'ai fait un tonneau en tombant dans le ravin tout à l'heure. Attention, les gros ravins là. Gauche à fond, long, ferme en 4, reste au milieu. Ça, j'aime pas les obstacles. Hop là. Gauche 3, ferme sur ciel, dans droite 5, 60 mètres. Droite à fond sur bosse, dans attention, bosse, dans droite 4, court, 30 mètres. Ciel dans gauche 4, ouvre. Ciel dans gauche 4, putain je vois rien. Hein. Et il se remet à pleuvoir pendant la spéciale. Gauche 4 en dévers, 30 mètres. Attention à pas tomber dans le ravin. Il se remet à pleuvoir, il y a le brouillard aussi qui arrive apparemment. Attention, 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 le tête à queue a failli partir là. Et attention, gauche 5 sur saut, ouvre. Gauche 4 et droite à fond, long, ferme. Premier secteur en vert, les amis de la journée. Et ciel dans droite 5, ouvre, dans saut sur ciel. Ça veut pas dire qu'on est premier de la spéciale, ça veut juste dire qu'on est meilleur sur ce secteur que les autres. Attention, gauche 5 court, dans droite 4 à travers portail. Et gauche 5 bosselé, dans droite 5 court. Et attention, bosse, dans droite 3 pas corde, dans gauche 3 pas corde, ouvre. Attention là, les roues à l'extérieur. C'est quoi qui est très long? Oh putain, le virage, d'accord. Et gauche 1, pas corde. Et droite 4 et 3 dans gauche 5, reste au milieu. Deux secteurs en vert. Et fin droite 1, ferme dans épingle gauche serrée, pas corde.
bien pris l'épingle. Et droite 4, très long, bosselé. Oulala. 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 Gauche 5 et 3 à travers portail, ferme en 4. Le portail il est où? Il est là. Putain, je le voyais pas. Et droite à fond sur bosse, ferme. Dans gauche 4, court. 80 mètres. Ciel, frein, gauche 4. Oh là là, reviens vite. Non, pas de tête à queue, on était bien là. Oh là là, fait chier, on était bien. On aurait pu remonter au classement. Gauche à fond, dans droite à fond, sur saut et gauche 3 long, 40 mètres sur ciel. Oh! Droite à fond, dans gauche 4 court, pas corde. Et droite 3 court sur ciel, 50 mètres. Cuvette et ciel, dans droite 5. Dans gauche 3 ouvre, très long, 150 mètres. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ouh, 4 minutes 20. Dommage là, le tête à queue. On aurait pu gagner sans le tête à queue. Ouais, c'est clair. On a seulement 3 secondes de retard sur Tom Christensen. Allez, là, putain. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un aussi bon résultat. Alors, nous sommes toujours 7e avec notre 9 secondes de pénalité. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Si on enlevait 9 secondes à 17, on serait à 8 secondes. On serait 4e. Hein. Et ouais, à chaque fois, mais bon, avec des si, on referait le monde, comme on dit à chaque fois. Allez, on arrive donc à la pause, là, entre ces deux journées de spécial. On va pouvoir réparer la voiture. Il y a un objectif qui dit de ne pas réparer de plus de 35 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ne pas dépasser plus de 35 minutes, sachant qu'on a que la carrosserie qui est abîmée. Alors, automatique. Oh là, 44 minutes, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut... Putain, ouais, mais si je baisse un peu le moteur... boîte de vitesse, direction. Eh si, la direction, j'en ai besoin aussi. Hein. Putain, juste pour. Qu'est-ce qu'on gagne si on. Voulez-vous continuer? Ouais, on va continuer. Qu'est-ce qu'on gagne si on réussit l'objectif? On gagne 150 XP et 2000 crédits. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Non, tant pis, on va faire nos réparations hein, automatiques. Voilà. Ah, ils ont changé le pare-choc. Si on annule le changement, là, ça fait quoi? Ah, ok. Le pare-choc descend à 50%. Ouais. Ouais, non, allez, reviens sur automatique. Tant pis pour l'objectif. Allez. Hop, voilà. Et on est en terre tendre. Il ne faut pas utiliser de dur, c'est ça. Donc, on est parti, les amis. Hop. Ah, j'ai pas regardé le kilométrage. Donc, on est encore sur 6 km, là. J'ai pas regardé le kilométrage de la troisième. De la Power Stage qui permet de gagner des points supplémentaires. À chaque fois qu'on est bien, on ne peut pas s'empêcher de faire une petite erreur qui nous empêche de gagner. C'est vraiment dommage parce que là, on aurait pu finir clairement premier hein, sur la deuxième spéciale. Bon, on va essayer de faire mieux là. Mais je suis trop tendu du début à la fin. J'arrive pas à me concentrer. Dès que je commence à parler, j'écoute plus que dit le copilote et je suis perdu. Pas corde, et gauche 5 long, saut sur ciel, 60 mètres. Attention, gauche 4 sur ciel, et droite 4, pas corde, tenir. Dans gauche, à fond, long, bosse sur ciel. Dans droite 3, tenir. Et gauche 5 court, sur saut, et frein pour gauche 3. Dans ciel pour droite, à fond, 40 mètres. Attention, gauche 3, court, ferme. Dans droite 4, pas corde, reste au milieu. Et 3, saut, 50 mètres. Droite 4, court, dans gauche 5, bosselé. Et droite 4, très long, ouvre à travers portail. Et droite 5, court, sur ciel. Dans gauche 4, court, 50 mètres.
Non, 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 non. Et gauche 4, très long, pas corde, bosselé. Non, mais non, je n'y arrive pas, les amis. Je n'y arrive pas. Reviens vite sur la piste. Reviens vite sur la piste. Non, c'est trop galère. Et droite 3, Milo, ferme, sur poste, 20 mètres. J'ai un problème de visibilité, je ne vois pas la Départ à route. droite, pas corde. Non, gauche 1, pas corde. J'ai l'impression de perdre du temps avec le frein à main. Droite 5 sur poste, tenir sur gauche 4. Droite 1 et reste au milieu pour gauche 3, très long sur ciel ferme. Oh là là, oh là là, oh là là. Les troncs Droite d'arbres 5 là. ferme en 3, mais non, surtout pas corde, reste au milieu. Dans gauche 3 sur ciel, ouvre, 30 mètres. Et bosse, dans droite 5 bosselé, et gauche 5 ferme à travers portail. Et droite 5 en dévers sur bosse, 30 mètres. Et attention, saut, dans gauche 4 sur ciel. Et gauche 5 ouvre. Droite 4, bosselé, pas corde, 40 mètres. Droite 5, tenir sur saut, 30 mètres. Et gauche 4, 30 mètres. Non, 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 gauche non. 3, surtout pas corde, très long, ouvre, bosselé. Putain. Dans attention, frein pour épingle, droite 50 mètres. Ah, je crois que la route était tout droit, mais non, il y a une épingle. Et droite 4, pas corde, 50 mètres. Gauche 6, long, ferme dans ciel. Et gauche 5, très long, ferme en 3, mi-long, au croisement, 30 mètres. Non, mais non! Putain, c'est pas possible ça! Attention, gauche 4, cours sur bosse et saut, 30 mètres. Je vois rien. Droite à fond, 40 mètres. Forcément, gauche c'était en 5, rouge. Dans droite 3, bosse sur ciel, ouvre long, 40 mètres. J'ai un problème de visibilité. Droite 5, ouvre long, 60 mètres. Non, mais putain, c'est pas possible ça, dès que je vais un peu trop vite. J'arrive Gauche pas à aller 4 à en fond. dévers dans bosse. Et droite 4 court, ouvre mi-long, 100 mètres, bosselé. Droite 5 mi-long, dans arrivée. Oh là 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 là! J'ai fait un triple tonneau là. Plus 12 secondes. Bah ouais, le tonneau il nous a mis dedans. Christian John là, machin, il est là, ok. On est actuellement 7e, toujours avec 9 secondes. On pourrait être 5e. Nous pourrions être 5e. Et oui. Allez, 6 km encore une fois. Bon, ça va, on a de la chance, on est sur des petites spéciales. Mais par contre, putain, je ne peux pas faire une spéciale sans faire une seule erreur. C'est dingue ça. Dès que j'essaye d'aller un peu vite. Eh ben, il se passe quelque chose, ma voiture va trop à gauche, dans le talus, à droite, dans le ravin, machin. Je suis un gros poissard, la visibilité est mauvaise. Allez, il pleut encore. Allez, c'est la dernière spéciale, courage Nicolas, on est en terre tendre toujours. 80% d'usure au niveau des pneus. Allez, c'est Droite parti. 4, ouvre sur bosse. Dans gauche 4, ouvre sur cuvette. Gauche 4, court. Dans droite 4, ferme sur ciel. 30 mètres. Attention, droite 3, glissant. Ferme sur ciel. 50 mètres. Bosselet. Gauche 4, mi-long. Dans droite 3, ouvre. Non, attention. Gauche à fond. Ferme en 4 sur bosse. 40 mètres. Reste au milieu pour saut sur ciel.
Et attention, frein pour équerre droite au croisement à travers portail. Dans gauche 4 et droite 5, ferme sur ciel. Pour gauche 5, dans gauche sur droite 3, 50 mètres. Droite 5, tenir ferme. Non. Oh putain, c'était chaud le trou. Dans gauche 3, ouvre. Et droite 4, long bosselé. Petit drone. Dans gauche 5 sur ciel, à travers portail. Les gens sont contents, mais je roule comme une merde. Frein pour équerre gauche, glissant et 3 à travers portail. Et droite 3, dans gauche 3, pas corde. Dans attention, saut. Dans épingle droite, pas corde, ouvre. Dans gauche 2, mi-long, à travers flaque. Dans enfilade sur ciel, et droite 4, à travers portail. Et gauche 4, coup, ouvre. Dans droite 3, sur ciel. Non, 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 non. Et gauche à fond, dans droite 5, court. Et attention, gauche 4 à travers portail, dans droite 4 très long, ferme, sur ciel. Dans gauche 5, court, dans droite 3, court, ferme, sur ciel. Et gauche 3, court, frein, 30 mètres. C'est mauvais ce que je fais, c'est mauvais. Gauche 4, pas corde, sur tarmac, dans droite à fond, ferme. Et gauche 4, court, dans droite 5, dans gauche 4, court, frein. Pour équerre gauche, pas corde sur gravier. Et droite 4, court, 80 mètres sur bosse. Je conduis comme un papier, je me plante quand même. Danger, équerre droite, pas corde. Et gauche 2, court, petite corde. Et gauche 6, dans droite à fond, ferme en 3, 50 mètres. Droite à fond, dans gauche à fond. Et attention, gauche 4, court, à travers portail sur tarmac, dans droite 5, court, 50 mètres. Gauche 5, ouvre, bosselé, 30 mètres. Droite 3, petite corde, 30 mètres. Droite à fond, à travers portail, et droite 4, tenir. Et gauche 3, court, 30 mètres. Frein, gauche 1 en croisement, 50 mètres. Dans droite 5, ferme, 50 mètres. Oh, le frein à main, là, j'ai l'impression de perdre du temps à chaque fois. Gauche 4, surtout pas corde, 50 mètres. Droite 4 et gauche 3, mi-long. Que des secteurs en rouge. Dans droite 4, tenir. Et gauche 3, ouvre à travers portail, 100 mètres. Gauche 4, court, petite corde, 80 mètres. Et droite 5, frein, ferme en 3, court sur ciel. Ça pue. Gauche à fond, tenir, ferme, 40 mètres. Encore rouge. Je sais pas ce que je dois faire. Hein. Ciel, dans droite 5, long, ferme. Dans gauche 5, sur ciel. Et droite à fond, ferme en 4, ouvre sur bosse. Dans gauche 6, dans droite à fond, reste au milieu, sur ciel. Droite 5, 50 mètres, sur ciel. Gauche 3, petite corde, ouvre, sur ciel, 30 mètres. Ah, j'ai l'impression que c'est la première spéciale qu'on a fait et qu'on fait dans l'autre sens là. Reste au milieu, saut sur ciel. Et droite 5, ferme en 4, long pour arriver. Pas se planter avant l'arrivée. Ouh, le panneau. Et on avait que des secteurs en rouge, les amis. Bah ouais, on a plus 6 secondes. Putain, c'est dur. Christensen, là. Toujours les premiers, les mêmes. Allez, on arrive donc 6e de ce rallye. Du Pays de Galles. On est vraiment... Waouh, c'est compliqué. Hein. En plus, à chaque fois, c'est la pénalité qui nous met dedans. Parce que sans la pénalité, ouais, on serait 5e. Bon, on n'aurait qu'une place de mieux, c'est pas beaucoup. Donc on gagne pas de points bonus, hein, seulement les 5 premiers gagnent des points bonus dans la Power Stage, la dernière. Donc on finit de cette première saison à la place de 5e au général, avec 58 points.
John Solans, là, 121 points. Lui, il a tout gagné quasiment. Elle en a gagné 3, une fois 3e, une fois 5e. Ok, bon. Alors, on pouvait gagner jusqu'à 23 000, on gagne seulement 13 000. 1000 XP. On a plus 5 réputations constructeurs. Morale, on est toujours dans le vert, mais on gagne pas de morale. Échec de l'objectif, bah ouais, parce qu'on a fait des réparations. Donc, les 5 qu'on a gagnés en réputation constructeur, on les repère. Ok, c'est pas grave. Allez, on va avoir le temps de se faire autre chose, peut-être. Et il nous reste 4 événements, je pense, avant le contrat de la saison suivante. On va voir si on peut se faire un ou deux trucs. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusque. Je m'excuse, j'ai eu un petit renvoi, un petit rototo intérieur. Bon, on va voir. De toute façon, je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au contrat de la saison suivante. On va voir si le chargement veut bien se dépêcher. Un réglage dur de l'inclinaison, blablabla. Alors, vous avez des points de R&D disponibles. On va d'abord aller voir les mails. Objectif, on a échoué. Bah ouais, ça c'est pas grave. Coût des réparations, on est à 8 500. Ok. On n'a que 12 000. Dernier compte rendu, ben on arrive 6e, on gagne 13 000. Ok. Alors, gestion de l'équipe. Certains membres de l'équipe active ont atteint le niveau de fatigue maximum et ont été transférés vers la réserve. Ok. Ça, c'est pas grave. Mais de toute façon, on va les mettre tous dans la réserve pour le moment. Voilà. R&D. R&D, on a un point de R&D. Qu'est-ce qu'on a là? Augmente le nombre de recrues maximum par mois. Augmente la forme maximale. Augmente de 5% les gains liés à l'accomplissement. On n'a pas d'objectif de saison. Encore le plus de gains d'expérience. La météo. La quantité d'événements disponibles. La réparation. Ok. Peut-être augmenter la forme ou je sais pas. Non, on va augmenter le gain d'expérience. Voilà. Voilà. Là, c'est parce que je pense qu'on a un point de. Je sais pas pourquoi on a un point d'exclamation là, c'est parce que l'équipe est vide, je sais pas. On va aller voir le calendrier. Attendez, parce qu'on a gagné 13 000, on pouvait gagner jusqu'à 21 000, ouais, en fait. D'accord. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repos. Voilà. Là, on va faire quoi? Entraînement. C'est quoi ça? Course historique en polo WRC. Allez, on va faire ça, tiens. Ouais. Alors, on va aller faire le repos. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre quelques membres d'équipe. Un mécanicien, on en a un à 36. Un agent, on en a un à 45 ici. Ingénieur, on a celui-là à 33. Là, météorologue, on a celui-là à 39. Kiné, on a celui-là à 43. Et directeur financier, on a celui-là à 35. Ok. Voilà. Je voulais juste voir un truc. La course historique, c'est 1000 de coûts d'entrée. On peut gagner jusqu'à 9 000. On a toujours du mal en course historique à aller jusqu'au bout parce qu'il faut qu'on soit le plus rapide. Là, faut clairement qu'on gagne. On est où? J'ai pas regardé où c'est qu'on était. Dans quel pays? Viana. Alors, soit c'est la Sardaigne, soit c'est l'Espagne. Si c'est la Sardaigne, on est mal barré. On va voir de toute façon. Et ouais, si on veut pouvoir gagner les 5 000, par contre, pour se rembourser un peu des coûts d'entrée, il faudrait vraiment qu'on gagne. Allez, on est au Portugal en fait. Et elle est stylée la poule WR. Et c'est pas vraiment historique. Si, c'est historique, mais c'est l'histoire récente alors. Allez, fais voir la voiture un peu là. Ah ouais, elle est stylée. Allez, on est parti. Gauche 5 cours, dans droite à fond. Et ciel, dans droite 5 ferme en 1. Eh, elle est Dans rapide, gauche hein. 3, ouvre. Dans droite 4 et gauche 3, 50 mètres sur ciel. Gauche 4, bosselé, 30 mètres. Droite 4, long, bosselé, 30 mètres. Gauche 5, court, dans droite 5, court, 60 mètres. Gauche 3, court, dans droite 6, 70 mètres. Droite 5 long, 200 mètres. Secteur vert. Attention, gros frein équerre gauche, 150 mètres. Elle est stylée cette WRC là. Gauche 4 court, pas corde, 100 mètres, bosselet.
Droite 3000 ondes, 50 mètres, reste à l'extérieur. Gauche 4 sur ciel, ferme 30 mètres. Attention, gros frein pour équerre droite sur ciel, 40 mètres. Gauche 3 et 3, 100 mètres. Droite à fond, ferme bosselé et gauche 3, très long, ouvre. Tout secteur en vert. Droite 3, court, pas corde, 30 mètres. Gauche 4, long, ferme. Et droite 2, long, pas corde, 50 mètres. Droite 5, court, bosselé, 30 mètres. Gauche 5, long, bosselé. Dans droite à fond et droite 3, ferme, sur ciel. Droite 4, court, pas corde, et gauche 3 et 3, pas corde. Oh, pas corde, il y avait un gros caillou, ouais. Hop, là, 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 on commence à faire des erreurs, c'est pas bon. Droite 3, minon, ferme, non, attention, droite 3, court, ouvre, minon. Forcément, secteur rouge. Attention, Nicolas, tu commences à faire de la merde, là. On était pas mal. Droite à fond, 60 mètres. Gauche 4, fin, ferme, court. Dans droite 4, sur ciel, très long, ferme. Dans gauche 5, bosselé, ferme en 3, pas corde et ciel, 40 mètres. Attention, gros frein droite 2, court, 40 mètres. Gauche 2, ferme, long, tenir. Non, on est bien là. Droite 3, ouvre, tenir. Et gauche 5, court, dans droite 2, 40 mètres. Droite 5, bosselé, tenir, ferme en 4, et gauche 3, 30 mètres. Oh ! Ouh ! C'était chaud. Attention, frein épingle gauche, pas corde. Dans gauche 5 et droite 3, ferme en descente, 30 mètres. Gauche 6 et 3 sous pont, 20 mètres. Et droite 5, bilon, temps arrivé. J'ai beaucoup ralenti sur la fin. J'avais peur de perdre. J'ai explosé. Oh, troisième! Oh non! Putain, pour une fois qu'on est bien dans une épreuve historique. Allez, on gagne quand même 7000. C'est pas mal. Ils avaient dit qu'on pouvait gagner 5000. Ben là, on a gagné 7000. Bon, c'est. On va prendre, hein, on va prendre, les amis. Allez, on a 36 minutes. Qu'est-ce qu'on se ferait pas? J'ai bien envie d'aller jusqu'au contrat de la saison suivante quand même. Allez, on arrive dans le garage, un nouvel objectif d'Okiri est disponible, on va aller le voir tout de suite d'ailleurs. Ne pas dépenser plus de 8000 en réparation au prochain rallye. Ouh, c'est tendu. Alors, nouveaux événements disponibles. Alors, conditions extrêmes là en Espagne. Ok, ça on a toujours du mal les conditions extrêmes. Entraînement. Si je mets entraînement là, qu'est-ce que je peux mettre là? Là, on a un essai constructeur pour... Ford, en Ford Fiesta R5. Ok. Ouais, bah écoutez, on va faire ça, on va faire l'essai constructeur. Voilà. Et puis ensuite, on verra ce que ça va donner pour la saison suivante. Allez, entraînement. Écoutez, non, je vais mettre un repos là, parce que je vais passer à l'essai constructeur pour ensuite. Voilà. On va pas faire l'entraînement, on va faire l'essai constructeur. Et ensuite, on pourra signer pour le contrat de la saison suivante. On est sur 14 km, mais bon, faut pas faire les 14 km. Je pense que c'est... Donc, normalement, on a la barre est divisée à la fin pour voir si on a réussi. Faut dépasser les 50% de la distance qui est demandée pour que l'événement soit réussi. Donc, normalement, c'est largement faisable. Et oui, on va pouvoir aller voir le nouveau contrat de saison dans cette vidéo. On va pouvoir voir chez qui on va signer. Là, on fait un essai pour Ford. Je sais plus chez qui on était bien, en fait. Allez. On est en Corse en plus, si je dis pas de bêtises. Corse, ça nous avait bien réussi. Alors, fais voir la voiture. 3, 4, ah ouais. 1, dans gauche 3, ouvre, pas corde. Alors, attends, parce que quoi, je change de vue. Et gauche 5, dans droite 5. Et gauche 3, court, 100 mètres. Ça va vite, hein. Waouh. 4, court, dans gauche
attention, gauche 2, 40 mètres. Gauche 6, cours, sur ciel, pour droite 4, cours, 30 mètres. Droite 4, cours, backord, 30 mètres. Droite 3, backord, 30 mètres. Gauche 6, cours. Et gauche 3, ouvre, backord, 30 mètres. Gauche 3, ouvre, backord, 40 mètres. Gauche 3, 120 mètres. Gauche 4, cours, et droite 5. Dans gauche 5, ferme en 3. Et droite à fond pour droite 3, backord, ouvre, long, 90 mètres. Droite à fond, 60 mètres. Droite 5 et 3, dans gauche 5 et 3, 50 mètres. Droite 3, dans gauche 6, 70 mètres. Gauche 4, dans droite 2, 100 mètres. Droite 5, bosselé, gros frein. Pour épingle gauche, pas corde, 30 mètres. Gauche 5, dans droite 3, pas corde, 90 mètres. Gauche 3, dans droite 4, 60 mètres. Gauche 5, ferme en 4, dans droite 5, gros frein. Pour équerre droite, pas corde, 60 mètres. Droite à fond, 100 mètres. Droite 4, long, ferme en 2, pas corde. Et attention, épingle gauche, pas corde. Dans droite 4, oh, long, ferme. Oh. Ah, je suis coincé. Est-ce que c'est bon? 92%, ouais, nickel. Impeccable. Ouf, j'ai eu peur. Allez, en plus, on gagne un trophée de jackpot, je sais pas à quoi ça correspond. 36 pour Ford. Un nouveau mécanicien. Allez, donc on arrive dans le menu. Choisissez votre prochain événement et débloquez de nouvelles récompenses. Alors, contrat saison suivante. Ok. Sélectionnez un événement. On va aller sur l'essai constructeur, encore une fois. Voilà. Et si on fait... Ok, donc, démarrer. La saison étant terminée, vous entrez maintenant dans la phase de sélection de contrat pour la saison suivante. Les différents teams vous font des propositions de contrat en fonction de la réputation que vous avez engrangée auprès d'eux. Une fois votre choix effectué, vous commencerez une nouvelle saison avec le team choisi. Votre team actuel peut également vous proposer de renouveler votre contrat en fonction de votre réputation auprès de cette équipe. Ok. Donc, oh, on nous propose encore du Junior WRC. Oh non! Pourquoi? Oh, je suis dégoûté, les amis. On n'a pas de contrat en WRC 2 ou en WRC Pro. Oh là 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 là. Oh, les amis, je suis dégoûté. Pourquoi on n'a pas d'essai là en... On retourne sur du Junior WRC. Validé. Je suis déçu, les amis. C'est une nouvelle saison qui commence. Bonne chance dans la course au titre. Bon, ben, les amis, je suis déçu. Je vais réfléchir là entre deux vidéos de ce que je fais. Si je refais une saison en Junior WRC ou si je relance une nouvelle carrière en commençant directement par la WRC 2, c'est que j'ai pas été assez bon, les amis. C'est ça, c'est à cause de ça, en fait. Donc, dites-moi ce que vous désirez. Là, je sais pas. J'ai un gros doute. Je pensais signer en WRC 2 direct. Je voulais pas refaire de Junior WRC. Donc je sais pas, là c'est la déception qui m'envahit, les amis. Bon voilà les amis, on va arrêter cette vidéo là. Dites-moi ce que vous voulez parce que là je sais vraiment pas. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo qui est très longue encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et ciao bye.